Whereas transatlantic voyages were initially made for transport reasons, the idea of taking a recreational cruise appeared in the late 19th century, and over the years gradually grew in a mass tourism industry, a veritable floating tourist complex on board, where the experience is more important than the destination. Fondamentalmente l'analisi, insomma, dell'evoluzione del mercato delle crociere, che fino a 30 anni fa in realtà era un mercato non solo di nicchia, ma era considerato un prodotto per anziani signori, insomma, sulla via del tramonto. Per Venezia, pensate che all'inizio degli anni 90 si parlava di 140-150 mila croceristi all'anno, quindi numeri che fanno ridere rispetto ai numeri che facciamo oggi. Stiamo parlando di cifre 10 volte superiori. Era un mercato fatto di navi molto piccole, spesso e volentieri anche particolarmente datate, che rispecchiavano l'idea del crocierismo classico di una volta, insomma, la traversata atlantica piuttosto che il collegamento tra un posto e l'altro, quindi non c'era un'idea di fondo dell'entertainment a bordo della nave. Questa cosa ha cominciato a cambiare dimensione e target appunto sul finire degli anni 90, per poi svilupparsi e esplodere come mercato anche a livello globale negli anni 2000. L'industrie de la croisière à Montréal, elle est plus active que jamais. C'est sûr qu'à travers le temps, les croisières à travers le monde sont en progression. Et la cohabitation avec la ville, elle se passe bien. Je dirais qu'un des bons exemples pour illustrer ça, c'est que notre, je l'ai dit tantôt, hein, notre installation était plus que centenaire, donc elle avait besoin d'être rénovée. Et dans les faits, elle ne l'avait pas beaucoup été depuis le début du siècle. Quand on est venu pour refaire ce site, lui refaire une beauté, mais surtout le rendre aussi plus fonctionnel, on a travaillé un projet qu'on a présenté aussi à la Ville de Montréal et au gouvernement du Québec, en leur demandant de contribuer financièrement avec nous pour faire de ce lieu un lieu plus davantage ouvert à la population de Montréal, pour vraiment créer cet amalgame d'intérêts entre les citoyens de Montréal et nos passagers internationaux. Donc, on a créé un comité de croisière avec les organisations qui ont un intérêt à voir le nombre de croisiéristes augmenter et à avoir des croisiéristes heureux qui ont le goût de découvrir notre ville. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis ensemble pour se demander comment on peut intéresser les gens à découvrir Montréal et à venir faire leur embarquement ou débarquement à Montréal. Et je vous confierais qu'à leur contact, nous, le port de Montréal, on a appris quelque chose d'important. On a appris à accueillir des passagers. Avant, nous, l'équipe du port, on accueillait des bateaux. On était vraiment bons là-dedans. Le bateau, il accostait les valises. C'était manié rapidement. Nosotros entendemos al crucero como un gran eje de gestión de la relación puerto-ciudad. ¿Qué es lo que estamos apuntando? A tener una terminal de crucero icónica, una nueva postal de la ciudad, una plantada de bandera de decir, bueno, la bienvenida del crucerista a la ciudad se la da un edificio emblemático. Los cruceros, así como los barcos de carga, estamos hablando de que cada vez van a ser de mayor tamaño. Entonces, nosotros tenemos que preparar el puerto para los próximos 50 o 100 años. Significa que tenemos que prepararnos para cruceros de más de 315 metros de eslora. Este es el principal desafío que tenemos. Lo otro con respecto a los que son los servicios, por supuesto la demanda es mayor y tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la logística en sí, pero también de la atención de los pasajeros. Y cuando hablamos de atención de los pasajeros, también tenemos que integrarnos con los planes que tiene la ciudad. While for some, the growth of the cruise industry is an opportunity, for others, such as the residents of the cities visited by cruise ships, it is a highly controversial issue. En matière de croisière, ce pic d'activité, il se traduit par l'arrivée dans certaines petites villes portuaires de milliers, voire dizaines de milliers de touristes le même jour, à la même heure. Et donc il y a des maires qui là ont commencé à taper du poing sur la table. C'est le cas à Dubrovnik par exemple, qui est effectivement une petite ville historique classée UNESCO, sur lequel certains jours on peut avoir 4, 5, 6 navires en escale qui vont déverser chacun entre 3000 et 5000 passagers. Diciamo, le dimensioni delle navi crescenti hanno cominciato a destare qualche perplessità rispetto alla popolazione. L'autorità portuale, almeno per un periodo, invece di aprirsi e discutere
con la città ed eventualmente anche di costruire un percorso di dialogo, ha preferito in qualche modo richiudersi in un tecnicismo che effettivamente poi ha creato una separazione molto, molto marcata tra appunto il porto e il mercato crocieristico e la cittadinanza tutta. Una separazione che in questi anni noi stiamo cercando di colmare con una serie di iniziative volte a minimizzare l'impatto delle crociere, e quando parlo di impatto non è solo un impatto legato al passaggio delle navi, è un impatto legato alle emissioni in aria, è un impatto legato alle emissioni sonore. L'opérateur de croisière, lui, MSC et les autres, ils vivent aussi de beaucoup de produits dérivés vendus à bord en matière de distraction, de spectacle, etc. Et donc, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que les gens descendent. Alors, la ville, elle a intérêt parce qu'effectivement, le but, c'est que le passager dépense à terre pour effectivement pouvoir faire vivre un peu le commerce local et les prestataires. Effectivement, il y a de la croisière 3.0, 4.0 à imaginer avec de nouveaux produits touristiques, plus collaboratifs, plus en lien, par exemple, direct avec la population à terre. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, et là aussi, à ma connaissance, il n'y a pour l'instant pas de réflexion, mais on peut l'imaginer, c'est qu'on peut comprendre que l'armateur soit déçu que son navire se vide, mais pourquoi pas imaginer que les cinémas qui sont à bord, les piscines qui sont à bord, les restaurants qui sont à bord puissent être mis aussi à un moment donné à la disposition de la population.